Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous inscrire à Waterbear, donc comment créer un compte Waterbear. Alors, je vous rappelle que Waterbear est un logiciel de gestion de bibliothèque et que là, on vous propose d'avoir une version en ligne, donc totalement libre et gratuite. C'est-à-dire que vous vous inscrivez en ligne sur Internet et vous allez pouvoir accéder en quelques minutes à votre propre logiciel de gestion de bibliothèque en ligne. Donc ça ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur. Vous n'avez rien d'autre à faire que les paramétrages initiaux que je vais vous montrer ici. Et vous aurez accès donc à un logiciel de gestion professionnel qui est Waterbear, qui va vous permettre de faire du catalogage, du prêt, de gérer les périodiques, les acquisitions, les abonnements, les lecteurs, etc., etc. Et également un accès au catalogue pour votre public, pour vos usagers, un accès donc via Internet au catalogue de votre bibliothèque, via le logiciel AffiliOpac, qui est développé par la société Affili. Alors, pour vous inscrire, pour créer votre compte et vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur waterbear.info et vous cliquez sur créer mon compte, inscription. Voilà, et vous allez arriver sur un petit module, une succession d'écrans qui va vous poser un certain nombre de questions pour vous permettre de paramétrer votre logiciel. Donc, le premier écran, c'est créer vos identifiants. Donc, vous allez indiquer le nom de votre bibliothèque ou de votre réseau, puisque Waterbear peut aussi gérer un réseau de plusieurs bibliothèques. Donc, là, on va faire simple, hein. On va appeler ça réseau de test. Donnez votre adresse email. Alors attention, il faut que ce soit un email valide parce que après vous allez recevoir un mail de confirmation et il va y avoir un lien sur lequel vous devrez cliquer. Il faut absolument que cet email soit correct. Par ailleurs, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire que comme c'est accessible en ligne, hein, vous pouvez tout à fait créer plusieurs comptes et avoir plusieurs sites Waterbear, mais pour chacun, vous devrez avoir un email différent. Si l'email que vous utilisez là est déjà utilisé, il va vous le signaler, un message d'erreur. Vous choisissez un mot de passe pour la gestion courante, donc là c'est pour tous vos utilisateurs, pour faire du catalogage, du prêt, etc., etc. Et puis il faut un mot de passe différent pour l'administration. Donc là c'est pas toute l'administration, mais c'est vraiment pour accéder à certaines fonctionnalités très spécifiques qui mal utilisées risqueraient de compromettre le bon fonctionnement de votre catalogue de bibliothèque. Voilà. Et puis ici la dernière question, c'est comment dire, c'est le domaine, c'est-à-dire que quand vos usagers vont vouloir accéder à votre catalogue en ligne, ils vont cliquer sur un lien du type, alors ça sera toujours HTTP mabib.fr/, et puis quelque chose. Alors, voilà, sur quoi ils vont cliquer là. Ce petit quelque chose, ça va être quoi? Donc si par exemple votre bibliothèque, c'est la bibliothèque de, je sais pas moi, Totoville, bah vous mettrez ici par exemple Totoville, ville, quelque chose, je sais pas, mais bon, faut que ce soit assez court, assez simple, et que ça exprime votre ville. Alors attention, mettez que des minuscules, des chiffres et des caractères tirés, soulignés. Hein, ne mettez pas d'autres caractères, ça poserait problème. Donc nous, vu qu'on avait nom d'établissement, c'était réseau de test, je mets tout simplement par exemple réseau de test. Et donc mes usagers, pour accéder au catalogue, devront taper http://mabib.fr/réseau-test. Alors on clique ensuite sur étape suivante. Est-ce que mon établissement est tout seul ou est-ce que c'est un réseau? Si c'est un réseau, combien de bibliothèques? Donc là, pour le besoin de la démonstration, on va dire qu'on a un petit réseau simplement de deux bibliothèques. Si vous n'avez qu'une seule bibliothèque, vous mettez 1. Dans ce cas-là, ce n'est pas un réseau. Étape suivante. Alors, on va nommer et donner la localisation des bibliothèques. Donc, on va avoir par exemple une première bibliothèque qu'on va appeler bibliothèque, je ne sais pas moi, Umberto. On lui met un code. Alors, le code doit être unique. Chaque bibliothèque doit avoir un code différent, court si possible, et puis dans la mesure du possible, autant que ça exprime, qu'on voit hein, quand on voit le code, qu'on comprenne qu'il s'agit de telle ou telle bibliothèque. Donc là, je vais mettre par exemple Echo. Hein.
Adresse. Alors, essayez de mettre des adresses valides. Dans Waterbear, on utilise beaucoup la géolocalisation. Et en particulier, quand vous allez vouloir géolocaliser vos emprunteurs, le centre de la carte qui va apparaître, ce sera l'adresse de la première bibliothèque que vous avez rentrée. Ah, donc, cette première bibliothèque, ça va être le centre de votre carte. Donc, vous ne vous trompez pas d'adresse. Alors là, on va mettre par exemple 8. Là, par contre, je mets des adresses un petit peu bidons. 8 rue de la mairie, 130, donc le code postal, la ville. Et puis on va créer une deuxième bibliothèque. Là, je sais pas, on va mettre médiathèque Emmanuel Kant. Un code, on va utiliser KAN par exemple. Adresse, on va mettre 10 rue de l'église. Ah non, je ne sais pas si c'est une adresse qui existe. Voilà, donc on a saisi nos deux bibliothèques qui composent notre réseau. On passe à l'étape suivante. Alors, Waterbear utilise beaucoup Mocam en ligne. Mocam en ligne, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est ce site pareil libre et gratuit qui vous permet de récupérer des notices au format Unimark pour les intégrer dans votre catalogue, ce qui vous évite d'avoir à faire du catalogage. Donc si vous avez déjà un compte Mocam en ligne et que vous souhaitez l'utiliser dans Waterbear, saisissez ici le login et le mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous laissez vide, il va automatiquement vous en créer un. Parce que de toute façon, vous en avez besoin dans Waterbear pour faire le catalogage et pour faire toute une série de choses qu'on vous montrera dans d'autres vidéos. Donc là, dans l'exemple suivant, je ne vais pas en saisir. On va considérer que j'en ai pas et que je veux en créer. On passe à l'étape suivante, les quotas de prêt. Donc là, on va avoir toute une série d'écrans dans lesquels on va déterminer combien on peut emprunter de documents, pour combien de temps, combien coûtent les abonnements, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Waterbear, créer des quotas très complexes. On peut avoir plusieurs quotas, un quota pour la bibliothèque, un quota pour la médiathèque, un pour les livres, pour les CD. On peut avoir autant de supports différents. Enfin, ça peut être assez complet et assez complexe. Mais là, dans cette version en ligne qui est plutôt à destination des petites bibliothèques, j'ai fait le choix de simplifier au maximum et donc j'ai limité à un seul quota de prêt et à un nombre limité de supports. Donc, on va mettre d'abord le nombre maximum de documents que vos lecteurs vont pouvoir emprunter tout support confondu, donc au total, ils vont pouvoir emprunter par exemple 7 documents, c'est-à-dire livre plus CD plus DVD plus revue, etc. On ne dépasse pas 7. Et puis après, sur ces 7, ce sera par exemple maximum 4 livres, maximum 3 CD, maximum 3 DVD, et hop, maximum 3 revues. Et puis autre support, alors si jamais il y a des documents qui ne rentrent pas dans ces supports-là, voilà, on gère un autre support. On va dire maximum 2. Encore une fois, ici, c'est une version très simplifiée. Si vous souhaitez après avoir une gestion beaucoup plus complexe avec d'autres supports, ou bien avoir plusieurs quotas différents selon les catégories de personnes, des quotas pour les enfants, des quotas pour les adultes, etc., etc., ce sera faisable dans Waterbear. Mais là, le module de création de compte, il est simplifié plutôt pour les petites bibliothèques qui ont des besoins simples. On passe à l'étape suivante. Maintenant, on va définir la durée du prêt, c'est-à-dire combien de jours, quand on emprunte un document, c'est pour combien de jours. Alors là, on a le détail pour les différents types de documents, mais on peut mettre si on veut que ce soit par exemple 3 semaines, donc 21 jours, on peut dire que c'est 21 jours pour tous les types de documents. Parce qu'on va avoir forcément besoin de distinguer. Ensuite, on a les quotas de réservation. Voilà, c'est la même chose, mais pour les réservations. Combien une personne peut réserver de documents à la fois? Alors on va dire par exemple on peut pas avoir on peut pas réserver plus de 4 documents à la fois, puis après on a le détail par type de document. Ça peut être par exemple 4 livres, 4 CD, mais par exemple seulement 2 DVD parce qu'on n'en a pas beaucoup, 2 revues, autre support. La durée des réservations. Donc là c'est au bout de combien de temps quelqu'un a fait une réservation, par exemple a réservé un livre, le livre est emprunté par une autre personne, mais cette personne, pour une raison X ou Y, ne rapporte pas le document. Donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Au bout d'un moment, on va supprimer la réservation, parce que ça ne sert à rien de garder des réservations qui ont 6 mois, 1 an. Donc là, on va dire en nombre de jours, même chose, au bout de combien de temps on annule une réservation pour laquelle le document n'est pas revenu. On peut dire par exemple 2, 3 mois, ça fait 90 jours. On va mettre la même chose pour tous les supports. Voilà, on passe à l'étape suivante. Alors,
Toujours concernant les réservations de transit, nombre maximum de personnes pouvant réserver un même document en même temps. Si on veut éviter justement que les réservations tirent en longueur, il vaut mieux pas que un même document puisse être réservé par 50 personnes à la fois. Donc là, on va limiter par exemple à 3 personnes pour réserver. La durée de mise à disposition des réservations en jour. Donc là, ça veut dire que si un lecteur n'est pas venu chercher sa réservation, là, on l'a prévenu, on lui dit la réservation, elle est disponible, on lui dit de la chercher. Si au bout d'une semaine, par exemple, il est toujours pas venu la chercher, bah, ça passe au suivant, parce que sinon, ça bloque la réservation, évidemment. Et puis, alors là, c'est important, les lecteurs ont-ils le droit de rapporter un document dans une autre bibliothèque que celle à laquelle il appartient? Donc là, vous voyez qu'on a un réseau de deux bibliothèques. Concrètement, est-ce qu'un lecteur qui emprunte un document dans la bibliothèque A a le droit de le rapporter dans la bibliothèque B? Oui ou non? Ça va, vous, à votre niveau, ça va dire est-ce qu'on a un système pour faire circuler les documents d'une bibliothèque à l'autre. Bon, là, on va mettre oui. Étape suivante, les abonnements. Alors, même remarque que précédemment, dans Waterbear, on peut gérer plein d'abonnements différents, de manière très complexe. On peut avoir plusieurs abonnements simultanément, il n'y a pas de limitation. Mais là, dans cette version qui est destinée aux petites bibliothèques, et pour simplifier, j'ai paramétré 5 abonnements. Mais en pratique, vous pourrez en avoir plus si vous le souhaitez. Alors, il est recommandé de garder un abonnement gratuit, ne serait-ce que pour les bibliothécaires. Donc, un abonnement gratuit à 0 euros. Et puis après, on peut faire par exemple un abonnement, je sais pas moi, adulte à 20 euros, un abonnement enfant à 10 euros, et puis je sais pas moi, par exemple, un abonnement hors commune à 30 euros, éventuellement un abonnement, je sais pas moi, famille, si vous voulez gérer les familles. Allez, pour la famille, ce sera 30 euros, quel que soit le nombre de personnes dans la famille. Bah, c'est un exemple, hein, mais vous mettez évidemment les abonnements que vous souhaitez. Étape suivante, les rappels. Donc, au bout de combien de jours on va effectuer des rappels? Même type de remarque, dans Waterbear, il n'y a pas de limitation quant au nombre de rappels, mais là, pour simplifier, j'ai mis une limite à 4 rappels. Donc, on peut dire que, par exemple, au bout de 7 jours, bon, la personne a du retard, au bout de 7 jours, on envoie un premier rappel, et puis après, on espace les rappels de 7 jours chaque fois, par exemple, semaine. Alors, les codes quartiers, donc ça, c'est assez important. Ça va vous permettre de faire des statistiques pour savoir où sont localisés vos emprunteurs, où sont localisés vos prêts, vos réservations, etc., etc. Donc, c'est très variable selon le type de territoire sur lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes une bibliothèque d'une ville assez importante, vous souhaiterez mettre des quartiers, plusieurs quartiers dans la ville. Si vous êtes un réseau de petites bibliothèques qui sont sur plusieurs communes, vous créez peut-être un quartier par ville, etc., etc. Donc là, par exemple, nous, on était un réseau de deux bibliothèques, une bibliothèque à Fête-Bretagne, une bibliothèque à Nantes. Donc, je vais mettre Fête-Bretagne, par exemple, Nantes. Je vais mettre autre commune de Loire-Atlantique, par exemple, des gens qui viendraient de l'extérieur, mais qui resteraient dans le département. Et puis, reste de la France. Voilà, pour tout le reste. C'est un exemple, mais c'est à vous de voir comment vous voulez diviser les choses pour qu'est-ce qui est le plus intelligent pour vous, pour que vous ayez une bonne vision de où sont localisés les gens qui viennent emprunter chez vous et où, qui empruntent quoi. Alors, là, quelque chose de très important, il faut bien comprendre. C'est le seul élément un petit peu technique. C'est les types de codes-barres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bien fonctionner, Waterbear a besoin d'être capable de distinguer un code-barre, de savoir si un code-barre est le code-barre lié à un exemplaire, un document, ou si c'est un code-barre qui est lié à un emprunteur, à une carte de lecteur. Pourquoi? Parce que quand on va être dans le pré-retour, on va scanner nos codes-barres, et selon que c'est un code-barre de document ou de lecteur, lui, il va être capable automatiquement de savoir s'il doit se mettre en prêt, s'il doit se mettre en retour. Enfin, voilà, il y a une gestion intelligente de tout ça, mais pour ça nécessite qu'il soit capable de distinguer les différents types de codes-barres. Et par ailleurs, il peut y avoir au sein d'une même bibliothèque plusieurs types de codes-barres différents pour les documents. Par exemple, pour les exemplaires, donc pour les codes-barres qui collent sur les livres, dans les petites bibliothèques, bien souvent vous allez avoir des codes-barres pour les livres qui vous appartiennent, de votre fonds propre. Et puis si vous êtes dépôt de la BDP, la BDP va avoir aussi ses codes-barres avec un format qui sera différent. Il faut renseigner les deux. Même chose pour les lecteurs.
Autre hypothèse, vous êtes un réseau de bibliothèques. Avant, chaque bibliothèque avait ses propres codes-barres, puis vous êtes mis en réseau. Bah non, vous allez avoir des codes-barres différents au sein de la bibliothèque. Donc là, vous devez déjà spécifier combien vous avez de types de codes-barres différents pour les exemplaires, donc pour les documents, et combien vous avez de types de codes-barres différents pour les lecteurs. Alors généralement, le plus souvent, mais ce n'est pas obligatoirement, vous avez deux types de codes-barres différents pour les exemplaires, à savoir votre fonds propre et les codes-barres de la BDP, si vous êtes dépôt de la BDP. Et le plus souvent, vous avez un seul type de code-barre pour les lecteurs, sauf si effectivement vous êtes un réseau et qu'avant chaque bibliothèque avait des codes-barres différents pour ses lecteurs. On va passer à l'étape suivante. Là, on va renseigner les différents types de codes-barres. Donc, code-barre exemplaire 1. Alors, comment Waterbear fait pour distinguer les différents types de codes-barres? Il y a deux techniques. Généralement, les codes-barres, ils ont une longueur déterminée. Par exemple, on va dire que les codes-barres pour les exemplaires du fonds propre, ils sont composés de 8 chiffres, par exemple. Alors que pour les lecteurs, ça sera composé de 6 chiffres. Et puis aussi, des fois, il y a un préfixe. Un préfixe, ça veut dire que les codes-barres vont toujours commencer par les mêmes chiffres ou les mêmes lettres, peu importe, mais le début du code-barre est toujours le même. Ça permet. Alors, il faut y réfléchir un petit peu avant. Il faut que vous regardiez les codes-barres que vous avez, que vous demandiez éventuellement à votre BDP qui vous dise comment sont structurés leurs codes-barres. Donc, nous, on va prendre un exemple. On va dire que pour notre fonds propre, les codes-barres sont composés, on va dire, de 7 chiffres et qui commencent toujours par chiffre 4. Donc, notre code-barre sera toujours 400, 403, 1, 2, 3, 4, des choses comme ça. Et puis la BDP, on va dire que leurs codes-barres, ils sont composés de 9 chiffres. Et par contre, ils commencent pas forcément par un chiffre en particulier. Ça peut être n'importe quel chiffre au départ, mais par contre, il y a toujours 9 chiffres. Et puis pour nos lecteurs, on va dire qu'il y a toujours 6 chiffres et qu'ils commencent tous toujours par n'importe quoi, mais par 10. Donc les codes-barres lecteurs, ce sera toujours 10. 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, ou ce genre de choses. On passe à l'étape suivante. Voilà, ça y est, c'est validé. Donc là, Waterbear a toutes les informations dont il a besoin. Et il va vous envoyer un premier mail à l'adresse que vous avez saisie. Donc moi, j'avais saisi mocam@free.fr. Il va vous envoyer un premier mail avec un lien sur lequel vous allez devoir cliquer pour valider votre inscription. Voilà, donc là vous voyez par exemple que j'ai reçu ce mail, voilà, sur ma boîte mail. Merci de votre inscription sur Waterbear. Pour finaliser votre inscription, merci de cliquer sur ce lien. Donc vous cliquez sur le lien indiqué et il va vous ouvrir. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc. Voilà, donc ça prend quelques secondes, éventuellement 1 ou 2 minutes, mais généralement c'est assez rapide. Voilà, puis vous avez un compte rendu de l'opération et il vous envoie un deuxième mail. Voilà, il vous envoie un deuxième mail qui va récapituler les informations importantes et surtout voilà, qui vous dit comment accéder au SIGB, donc au logiciel professionnel et à l'interface publique. Donc vous voyez, Madame, Monsieur, votre inscription à Waterbear est désormais terminée. Vous pouvez accéder à l'interface professionnelle en vous rendant sur l'adresse suivante, http://waterbear.info, etc., etc. Et en vous identifiant, donc on reprend les logins. Login utilisateur, c'est votre adresse email en fait. Et mot de passe utilisateur, c'est Toto qu'on avait choisi. Et vous avez également un login administrateur à utiliser dans des cas très spécifiques. Normalement, vous n'avez pas trop besoin d'utiliser. On rajoute juste admin devant. Donc c'est admin suivi de votre adresse email. Et le deuxième mot de passe. Et vous avez un autre lien pour vous rendre sur l'interface accessible pour vos usagers cette fois-ci. Donc là, c'est mabib.fr/, etc., etc. Et puis pour administrer l'interface de l'OPAC, pour créer des nouvelles pages, modifier les horaires de la bibliothèque, etc., etc., vous utiliserez les mêmes identifiants, votre adresse email et le mot de passe que vous avez choisi. Il est vivement conseillé de conserver, éventuellement d'imprimer ce mail, puisque ça récapitule les informations dont vous avez besoin. Voilà, donc si on clique sur le premier lien, par exemple, vous arrivez sur l'interface de Waterbear. Donc on va s'identifier, comme on a dit, avec l'adresse email, le mot de passe que vous avez choisi. Et là, vous allez vous souvenez qu'on avait deux bibliothèques. Il va vous demander dans quelle bibliothèque vous vous trouvez.
Ça, c'est important surtout au niveau du prêt, surtout si vous faites de la circulation, ce qu'on appelle du transit, donc de la circulation des documents entre les bibliothèques, parce que selon que vous trouvez dans telle ou telle bibliothèque, il vous dira éventuellement, attention, ce document que vous passez en retour appartient à l'autre bibliothèque, vous devez la mettre dans le bac transit. Donc vous devez indiquer dans quelle bibliothèque vous vous situez. La langue, c'est toujours le français. OK. Et voilà. Et vous arrivez sur l'interface de Waterbear. De la même manière, si vous cliquez sur le deuxième lien pour accéder à l'opaque, vous arrivez sur l'interface d'AFI Opaque. Alors évidemment, pour l'instant, c'est assez dépouillé, puisqu'il n'y a aucune notice à voir dedans. Il y a un seul article d'accueil, mais tout ça devrait être personnalisé pour votre bibliothèque. Alors j'en vous profite pour vous montrer très rapidement l'interface générale de Waterbear, puisque ça je ne reviens pas forcément dessus dans les autres vidéos où je présente plus en détail les différents modules. Donc, par défaut, vous arrivez sur la page d'accueil que vous voyez ici, avec au milieu un certain nombre de liens qui vous permettent d'accéder aux modules, aux principaux modules de Waterbear. Cette page d'accueil, vous pouvez à tout moment revenir dessus en cliquant sur la petite maison qui se trouve là, accueil, dans la barre latérale. Cette barre latérale-là, elle vous permet d'accéder rapidement aux grands modules. Donc, la petite maison, c'est l'accueil. Le petit bonhomme, c'est le module prêt, retour, réservation, inscription des lecteurs, etc. Le petit livre, ça va être le module catalogage et recherche dans le catalogue. Et la petite engrenage, ça va être tout ce qui est administration, paramétrage. Voilà. Vous pouvez revenir à l'accueil où vous avez des accès simplifiés aux modules principaux. Et puis cette petite icône-là, elle permet de déplier en fait votre barre latérale. Et vous avez un certain nombre d'informations qui apparaissent ici. Le poste sur lequel vous trouvez, la bibliothèque où vous êtes, la langue, la base de données, ça c'est plutôt pour le débugage, et puis l'utilisateur qui est connecté. Donc par défaut, vous avez soit utilisateur, soit administrateur. Et si vous voulez vous déconnecter, vous cliquez sur l'utilisateur et ça va vous déconnecter. Vous pouvez éventuellement changer d'utilisateur ou changer de bibliothèque. À terme, il y aura certainement dans cette barre latérale d'autres fonctionnalités qui pour l'instant ne sont pas visibles. En haut, vous voyez que vous avez deux barres. Vous avez ici une barre de menu qui vous permet également d'accéder à un certain nombre fonctionnalités. Alors là, sur cette page d'accueil, vous avez en gros ici au milieu dans ces blocs les modules les plus utiles auxquels vraiment tout le monde a besoin d'accéder. Et puis en haut, ici, vous allez trouver plutôt des menus plutôt réservé à l'administrateur ou plutôt un petit peu spécifique, tout ce qui est administration, les statistiques, les traitements, etc., etc. On va aller par exemple dans le module de prêt pour vous montrer que vous avez aussi en dessous une barre d'icônes. Alors en gros, comment c'est organisé, les menus vous donnent accès à des fonctionnalités, les icônes c'est plutôt pour les fonctionnalités qui sont il y a besoin plus immédiat, c'est pour les fonctionnalités les plus importantes. Les icônes seront différentes d'un module à l'autre. Là, par exemple, on est dans le module prêt-retour, vous voyez à quoi ressemblent mes icônes. Je vais aller dans le module catalogage. Vous voyez que mes icônes sont différentes. Alors, globalement, vous voyez que c'est divisé en deux, vous avez une partie gauche et une partie droite. Globalement, tout ce qui est partie gauche, ça vous permet d'aller sur un autre module. Là, par exemple, je suis dans le catalogue, je suis dans le prêt. Là, c'est le module de prêt. Si je fais ça, je vais créer un nouveau lecteur. Si je vais ici, c'est pour faire une recherche de lecteur. Même chose ici, j'ai accès à différentes recherches, du catalogage, etc., etc. La partie droite, c'est plutôt pour rebondir sur ce qu'on a à l'écran. Là, par exemple, c'est si je suis sur un lecteur en particulier, je vais pouvoir ouvrir la fiche du lecteur pour le modifier, créer une réservation pour ce lecteur, prolonger les prêts de ce lecteur. Ou rebondir, par exemple, afficher l'historique des prêts de ce lecteur, etc., etc. Donc, la partie gauche, c'est général, c'est plutôt de la navigation. La partie droite, c'est plutôt des actions qui sont en rapport avec soit le lecteur sur lequel on se trouve, ou alors la notice qu'on est en train de cataloguer, etc., etc. Et puis, vous avez une petite case magique ici, dans le coin supérieur gauche. Alors, cette case-là, elle est très importante. Il faut savoir que Waterbear est un logiciel multi-onglet, c'est-à-dire que vous pouvez très bien cataloguer trois notices en même temps et faire du prêt à deux lecteurs différents en même temps, tout ça plus ou moins simultanément en ouvrant plusieurs onglets.
Alors, si vous voulez ouvrir un autre onglet, il suffit de cocher cette petite. Là, par exemple, je suis en train de faire du prêt et j'ai envie de faire du catalogage. Et ben, je coche cette case, je clique sur mon menu catalogage et vous voyez qu'il m'ouvre le catalogage, mais dans un autre onglet. Je peux passer du prêt au catalogage, comme ça, sans problème. Pour ça, il suffit de cocher cette case avant de cliquer sur une icône ou sur un lien et ça vous ouvrira ça dans un nouvel onglet. Voilà, je vais revenir sur ma page d'accueil. Et voilà. Voilà, j'ai terminé cette présentation de l'inscription à Waterbear. À bientôt!